Petit bonus, je crois que j'ai oublié de visiter ce petit endroit. Je me rappelle plus avoir fait ça en fait. Peut-être là. Ouah, c'est cascadeur. Oh putain. Oh putain. Eh mais c'est Léo. Oh shit. Dawes avait raison. Il était en danger. Pourquoi il serait retourné voir Nels? Waouh. Je vais le signaler. Ok. Merde. Nos signales. Rien non plus. Holy shit. Faut qu'on y aille. Alors on le laisse. Oh my god. Y'a pas une preuve ni rien. Apparemment y'a aucune preuve. Faut quand même voir là-bas si jamais. Pour la mission Crocro. Donc t'as expliqué pourquoi il a relâché Léo? Il pouvait pas le garder. Sur le papier, il avait rien fait d'illégal. Et il finit comme un pas pour les crocs. Oh. Mauvaise collision là. Hey Kyle, j'ai une question à te poser. Ouais quoi? Entre toi, Tyson. Hein? Ça? Tu sais? Une fille, ça a parfois des rencarts. T'es sortie avec Tyson? Je l'ai rencontré en soirée. On est sortis une fois ensemble. Enfin, deux. Officiellement deux. Attends. T'es sortie avec un dealer de coke? Courtier en coke. Il s'est aperçu quand qu'il était pris? Quand je me suis aperçu qu'il était courtier en coke. Écoute, t'es pas forcé de me croire, mais c'est un mec bien. Alors, allons capturer le mec du crocro là. Hop, c'est parti. On descend bien du machin. Ok. C'est quoi encore cet endroit? Aucune idée. Va au moulin avant, on a une vue aérienne. C'est que je vais à l'église ce dimanche et Ked m'accompagne. Pas vrai? Pas le raté. Ok, écoutez, y'a un acheteur qui se pointe. Et alors? L'air de pro. Je veux des patrouilles, par groupe de deux, au boulot. Il s'était donné rendez-vous. Là, il se disperse. Approche-toi un peu. Ok. Géronimo. Hop là. On se calme, mon pote. Hop, lui, il est pesé et emballé. Ramène-toi. Un fer coup. Arrête-toi tout de suite.
Oh, oh, j'ai compris. Et voilà, la grosse prise est capturée, la grosse prise est capturée. C'est qui l'acheteur qui vient? Paris 5 dollars que c'est le type en bleu. Quoi, y'a un truc Non, y'a un truc pas loin. Je vois pas où c'est quoi. J'ai mis quelque chose, mais... Bon, je sais que ça c'est lui... Non, est-ce que c'est là? Quelque chose... Enfin, non, ça devrait être une couleur. Alors toi... Merde. Tu meurs. Bien joué. Ils sont derrière. En tout cas, il y a un truc à ramasser, mais quoi? Là, il y a le machin. Il y aura un truc quelque part, mais où? Pas une preuve. Dans quoi? Dans quel bâtiment? Où? C'est franchement pas mal. Ils mettent ce qu'il y a un truc, mais... Je sais pas où aller. Bon, je sais qu'il y avait les crocros là que j'ai capturé parce que j'ai eu un petit bug, j'ai dû le capturer. C'est fait. Tout en finesse. En tout cas, ça le fait ici, donc il doit bien avoir un truc. Je viens repérer les trucs aux alentours. Là, je veux que la dynamite. Hein. Perso, je vois pas ce qu'il y a à rechercher. Bon, c'est par terre, je sais pas. Normalement, il y a un truc vert autour. Ouais, c'est quasi là. Non. Bon, ça me saoule. Je ne vois pas où est le truc à capturer là.
attends, ben sur la seule trace d'objet que je dois ramasser, que je sais pas où c'est. C'est peut-être dans le décor, je sais pas. Ok, il y avait un truc. Il se relèvera plus. On est tranquille. Tu vas pas le croire. C'était une ferme aux alligators. C'est plutôt malin. Ah ouais. Fort connu. Ferme aux alligators. Ouais. Wow. C'est loin de tout, accès facile à la mer et à la terre ferme, et des putains d'alligators. Bien. Et des putains d'alligators. Il y a une antenne radio à l'arrière. Allons voir ça. Est-ce que ça me le fait toujours là? Je sais pas, c'est bizarre. Non, ça me dit que. Ça me dit pas là combien d'objectifs ici à faire. Bon, toi. Alors, comme ici, s'il manque un truc. Il y a que dalle, et que dalle, que dalle, que dalle. Pas une caisse. Bon, bah, c'est parti, on va découvrir cette porte. Les hommes de Ness, tiens, réponds-leur. Tommy répond pas. Grouille. Hey. Non, tout va bien. Je suis là. Bon, c'est qui là? C'est Antonio. Et il est où, Tommy? Ah, il est en train de chier. Classe. Classe, ouais, c'est vrai. Ça marche. Il doit aller où? Ah, t'occupe, Antonio. Tommy sait où il doit aller. C'est lui qu'on est en route. Une conversation sympa. Ce rendez-vous sur son téléphone. C'est avec Nelt. Il a dit qu'ils allaient... Le Miami Aquatic Stadium est fermé depuis un bail. Ça doit être le point de rendez-vous. Allez, on se bouge. Ok, c'est parti. Est-ce qu'il y a un truc à ramasser? Oui, on... Apparemment, non. Bon, mais c'est parti. Police! Arrête-toi tout de suite! T'es taré ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, on se calme, d'accord? Je veux pas d'en... Putez-le! Putain de merde! Je tiens l'autre en joue. Ok. Hop là, on arrête ça. Alors maintenant tu fais quoi, hein? Hop, je referme. On va essayer le petit point. Et maintenant, on se barre. Et c'est parti. Le stade est un peu au sud d'ici, accroche-toi. Allons au stade. Un petit chargement. Ok. Voilà, donc au stade. Doucement, pas la peine d'annoncer notre arrivée à Nels. Là, je peux avoir besoin des grappins, donc on va se mettre avec ça. Mine laser? C'est 4? Renforcer ça y est. On sait jamais. Mal, tu vois. Le mec est en retard, c'est tout. Ouais, bah, tu serais pas en retard. Pognon en jeu. Eh ben moi, à sa place, j'aurais été pile poil à...
souviens être venu ici une fois quand j'étais gosse. Il y avait un hors-bord. Bouge plus, police. Une pyramide de Dina. Elle devait être de ce côté du lac. Toi, je te coffre. Il y avait un autre bateau qui tira un tigre de l'autre côté du lac. Wow. Mais leurs routes se sont croisées. Stop! Gardez-moi en l'air! Oh shit. Vas-y, occupe-toi de Nels. Moi qui voulais le faire en mode distrait. Oh! Oh le bâtard, il m'a envoyé une. Avec ça. Sérieux? Voilà. Saloperie. Bon, je voulais les capturer, bon, c'est pas grave. Je vais garder ça pour l'autre là. C'est parti. Allez hop, rentrons dans ce machin. Oh, oh joli. Nels, les mains en l'air. Levez les mains. Mendoza, c'est vous? La ferme. J'ai accepté l'offre de Stoddard. Vous avez de sales amis, Mendoza. Comment ça, quelle offre? Je suis un fantôme. Ah bon, t'es un fantôme, ouais. Chier. J'appelle un hélico. Il pourra pas aller bien loin. Bah. Oh, carrément, on se retrouve là. Et non. Vu qu'il y a peu de fenêtres, on peut tenter les fumigènes. Une équipe de trois hommes entrera par ici, une autre là. Les snipers, ici et ici. Eh bien, j'ai l'impression que Stoddard a pris les choses en main. Je m'en fous. On l'a eu les premiers. Nick. Deux.